Pendant un peu plus de trois semaines, tous les regards du cyclisme canadien et québécois étaient portés vers David Veilleux. Un reportage sur la conférence de presse soulignant son grand retour. On aurait dit une rock star ou encore une vedette sportive multimillionnaire. Eh bien non, un gars de chez nous revenant à la maison, mais où la fierté était au rendez-vous. Conférence de presse présentée devant plusieurs médias, mais surtout des parents et amis, le cycliste David Veilleux peut dire mission accomplie. Les attentes de son équipe Europcar auront été répondues. Moi, mon travail, c'est vraiment d'aider Pierre sur les parties qui sont plus roulantes ou en montagne, mais je dirais pas de l'aider dans l'ascension en tant que tel, mais à l'approche des ascensions, quand c'est dur, quand il faut prendre du vent, comme on dit, le replacer à l'avant du peloton pour être bien placé, éviter les chutes, des choses comme ça. Donc, mon travail, c'est vraiment ça. Et puis, je pense que je l'ai bien accompli, là. Comment tu as vécu ce fameux Tour de France? Ça a été vraiment fantastique. Ça a été une expérience mémorable, c'est sûr. Je pense que de vivre ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, je suis vraiment content. Le marathonnier frappe le mur au 26e kilomètre. Est-ce que toi, t'as frappé le mur tout au long de ces trois semaines? Bien, c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles. Ça, c'est sûr et certain. Des fois, c'est en milieu de course, au bout de 2-3 heures de course. Des fois, c'est à la fin. Mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai, je l'ai bien géré. J'ai pas paniqué. Puis j'ai été capable de passer à travers ces moments difficiles-là. Jusqu'où l'entourage est primordial avec le Tour de France? Ah, bien, c'est primordial, justement, parce que sans tout le personnel qui est autour de nous, on ne pourrait pas y arriver, ça, c'est sûr et certain. Là, on a tellement de choses à penser avec la logistique, les déplacements entre les étapes, les changements d'hôtel et tout. Non, c'est vraiment une dimension qu'on ne voit pas à la télé, mais qui est primordiale. Tu parlais de bien s'alimenter lors de la conférence de presse. C'est quoi bien s'alimenter pour une épreuve de trois semaines comme ça? Mais nous, on est suivi, ils nous donnent nos portions, mais c'est de vérifier le nombre de calories, puis d'aller chercher la bonne quantité de glucides, de sucre lent, de protéines et puis de matières grasses qui vont nous permettre d'avoir l'énergie suffisante pour faire l'étape, mais l'étape du lendemain, et puis etc. Nous pourrons certes avouer qu'il s'agira d'une saison estivale remarquable pour le natif de Cap-Rouge. En plus d'avoir porté le maillot jaune pendant quelques étapes lors du Critérium du Dauphiné, au début juin, il s'est retrouvé sur la ligne de départ pour un trois semaines au Tour de France. Je ne peux pas espérer mieux, je suis vraiment très satisfait. Tu te donnes le choix, le maillot jaune pendant quelques étapes au Critérium du Dauphiné ou encore le Tour de France? Ah, c'est dur à dire, ah, c'est sûr que l'objectif, c'était quand même les Champs-Élysées, donc ce serait peut-être le Tour de France. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois? Ah, du repos. Je pense que j'ai besoin de revenir un peu à la maison, passer du temps en famille. Et puis, c'est ça, voir ma fiancée, rester ici, m'entraîner. Curieux comme le temps passe vite. Il y a 13 mois à peine, nous étions avec David lors des championnats canadiens de vélo sur route, dans un lieu marqué à jamais, le lac Mégantic. Il nous parlait de la fierté qu'il aurait un jour de participer au Tour de France. Alors voilà, c'est réglé. Bravo à toi, David, et à toute ton équipe.